Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Mary Jane Watson pour le 61e épisode de Marvel Spider-Man Remaster sur PlayStation 5. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Je suis pas loin, à 2 avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Centrale, RAS. Je répète, RAS. Waouh, et c'est un peu tendu. Je ne sais pas si je dois vraiment me précipiter comme ça. Non, 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 non. Faut pas que je me fasse capter. Faut pas que je me fasse capter. Vite, 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 vite. Ah, c'est pas la bonne pièce. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Chef, on l'a trouvé. Oh, l'angoisse. Peter, t'es là? Je suis à l'oncle de Lex. Ça ira dans quelques secondes, à l'angle nord-ouest. Ouais. Gros problème, gros problème. Peter, t'es prêt? Attends, fais pas ça! C'est trop tard, vas-y! Wow, faut vraiment avoir confiance, hein. T'es vraiment cinglé! T'es incroyable! Ouais, pas aussi incroyable que toi, MJ. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie, et Docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves le remède. Merci. Partenaire. Ouh, la petite araignée. Je sais qui elle va piquer. Viens chez moi, terminé. Bon. Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. À ce plongeon là. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède? Oh, Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. Oh non. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Ah, attendez, on va, voilà, passer par là. Marre de cette requête. Alors par contre, ici, il se passe quoi là? Un accident d'hélicoptère?
Ça serait où, par là? Le cœur du problème. On va y aller vite fait, on va y aller vite fait. Ah, il y avait plus proche, il y avait un peu plus proche, mais bon, c'est pas grave. Allez, Fissa, Peter, dépêche-toi un peu. Y a pas une petite boîte si. Electro qui veut saborder notre réseau électrique. Vulture et sa mort venue du ciel. Spider-Man qui les provoque en plein cœur de la ville. Et vas-y que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent, pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs? Et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah... Eh bien, j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but de mieux vous protéger, bien sûr. Mais après mûre réflexion. Ouvrez. Ok, Mister Négative. Te voilà. Ouais, toi tu plaisantes pas, ouais. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Oli dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. On va s'occuper de lui en premier. S'occuper de lui enfin. De lui juste après. Prochain sniper. Attendez, on va aller sur ce toit pour avoir une vue un peu plus dégagée. Ok. Là, il y a un sniper par ici. Je le vois pas. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Lee va s'emparer de l'antisérum. Pourquoi je le vois pas? C'est fou ça. Attendez, c'est un peu tordu ça, non? C'est quoi ce délire? Ok, cher ami. Coucou, Spanier. Voilà, toi tu fais dodo. Dites-moi pas que... Que dites-moi pas. Il y a même des lanceurs de roquettes. Je viens d'éliminer ces gars discrètement. Ok. Non mais attendez... Ils sont combien là? Vas-y, viens par là, viens par là. Mais non. Les démons s'accrochent au Gisla. Il est sur le sentier de la guerre. Capitaine, est ici! Allez, fais dodo. Tout le monde fait dodo là. Au niveau discrétion, je sais, je ferai mieux la prochaine fois. Lee a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous
devrais être élu super-héros. Voilà. Négatif, hein. Ok, on a fait le ménage. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. On en a marre que tu agresses nos agents, Spider-Man. Il est temps de finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars? C'est une blague, j'espère. Oh ce bordel, oh ce combat. Je dois tout faire pour entrer en vitesse. Faudrait que je vous extermine rapidos. Je les aurais plus facilement si je les sépare. Seulement ça, vous pouvez me lâcher la grappe. On ferait bosser main dans la main. Waouh, ça fait extrêmement mal ça. Démon et sable hors jeu. Je vais chercher lui à l'intérieur. Ok, bon, ça c'est fait. Mais pourquoi c'est si lourd? Ah, t'en mêles pas, toi, t'en mêles pas. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Melly détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Eh oui. C'est bon, tu ranges tes flingues. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Ouais, calme-toi quand même. Hors de contrôle. Je te pète ta gueule. Hein. Lee est hors de contrôle, oui, bah oui. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Je vois que la communication, c'est votre fort. C'est bien, les amis. Bon, okay, fini de courir. Ça a assez duré. Si je marche sur ça. D'accord, ok, carrément. C'est de la folie, ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Fist. D'accord. Il faut que j'aille par où, là? Oh là 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 là. Je vais devoir piquer une tête. T'es sûr de toi, Peter, là? Y'a rien à ramasser par là? Ouais, on y va, c'est parti. Va-t'en, Spider-Man! Ça ne concerne que moi et Osborn! Toi, tu commences à me gaver. Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident? Tu es aussi insensible qu'Osborn. Mais
parents sont morts à cause de moi. À cause de ce que m'a fait Osborn. Votre passé ne vous définit pas. Ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers. Pour faire honneur à leur mémoire. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Eh, c'est plutôt bien fait, hein. Ok, un peu plus tôt. C'est le seul échantillon. Non ! Non, Martin ! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez! Allez, ça va partir en 1v1, toute cette affaire-là. Osborn doit être puni. Depuis bien longtemps. Osborn mérite d'être traduit en justice. Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite. Je ne m'arrêterai jamais. Est-ce que je peux te balancer un truc comme ça? Je ne peux pas... Okay. Waouh. Calme-toi un peu. Ok, je vois que tu t'épuises. Ce n'est pas vous. Exactement, j'y suis. Raté, raté, raté. Oh, ça s'abuse, ça. Ça, c'est abusé. Allez, il est temps de prendre tarif, Martin. Va te calmer, oui. Non ! Osborn doit souffrir !
Ok. Oh, c'est quoi cet embrouille là? Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin! Battre le démon? Mais je suis le démon! Allez, prends ta rousse, toi là. Allez. Ça, c'est un gros démon. Oui, j'avoue ça. Ça sent pas bon pour moi. Oui. Au fort, nettoie, partage tout ça. Bientôt terminé. Je crois ça. Ouai. Ouai, aïe, aïe. Ok. Allez, il est temps d'en finir là. La volonté est plus forte que la chaîne. Ça, c'est ce qu'on va voir. Pour continuer, il est presque KO. Il est presque KO, oui et non, quoi. Calmez-vous. Hein. Aïe, ça fait... Oh là là, je l'ai échappé belle. Allez. Vous savez quoi? J'en ai marre de vous tous. Arrêtez de prendre ta forme négative là. Oh oui, joli ça, Peter. Renforcement positif, trophée obtenu. Ok. Doit payer. Je sais. Mais pas de cette façon, Martin. Incapable. Ah oui, ok, ouais. L'humiliation, quoi. Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux.
prêt à faire ta sortie ? Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au Fist. Je veux parler au médecin en chef. Il n'y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu. Ça va. Mais il doit se reposer. Et personne ne lui a retiré le masque. Hé, hey, vas-y doucement. Où est May ? Comment ça, c'est quoi ce délire, là ? Why ? Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Où est-ce que tu vas ? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi ? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors il doit connaître leurs points faibles. Allez, champion, vas-y. Oups là, l'araignée gypsy. T'es sacrément mignonne quand même, hein ? J'aime beaucoup. Ok. Voyons voir. Non. Pas ça non plus. Et c'est là que tout va se jouer, les petits amis. Toi, celle-là. Non. Aïe ! Tu as tué une pauvre petite araignée toute mignonne. C'est abusé. Bon, les petits amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais sauvegarder rapidement et lorsqu'on reprendra, on pourra écouter, je pense, les prochains dialogues téléphoniques de notre ami Peter, alias Spider-Man. Et vraiment, je pense qu'on se rapproche de la fin du jeu. Hein. Là, ça va être du concret. Du concret, on va pouvoir s'attarder très rapidement au DLC. D'ailleurs, les petits amis, j'ai pris une décision. On va enchaîner les épisodes beaucoup plus rapidement. Ils vont sûrement passer un deuxième épisode du jour. Et cette fois-ci, je ne plaisante pas. Après la sortie de Marvel Spider-Man 2, j'ai bien envie de, au moins d'être à Miles Morales pour Noël. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Salut à tous. Bye.